Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus Christ may be taking his time to consider your request in order to test your faith. Jésus-Christ pourrait prendre son temps pour considérer votre requête afin d'éprouver votre foi. When you are emotionally controlled, you lose sense of objectivity. And Jesus' objectivity is founded on commitment and genuineness of faith. Lorsque tu es émotionnellement contrôlé, tu manques le sens d'objectivité et la sincérité, l'engagement de Jésus-Christ est basé sur cette objectivité. Don't think that your crying and complaining can force Jesus to become sentimental and then give himself out so cheaply. Jesus Christ knows the cry born of faith. Évidemment, Jésus-Christ connaît les pleurs nés de foi. Ne pense pas que tes pleurs et les larmes peuvent émouvoir Dieu pour qu'il cède. No one conquers without faith. Évidemment, personne ne peut vaincre. No one is blessed without faith. La foi, personne n'est béni. No one is healed without faith. La foi, personne n'est guéri. No one is saved without faith. La foi, personne n'est sauvé sans. Faith sees the invisible, believes the impossible, and receives the incredible. Alors la foi voit l'invisible, elle croit l'impossible et elle reçoit l'incroyable. Your faith is deciding the flow of miracles that are coming towards you. No faith, no miracle. Pas de foi, pas de miracle. Ta foi détermine la surface de ton miracle. Jesus can use any foolish thing to test your faith, to enjoy your pride. Jésus-Christ peut utiliser toutes choses pour éprouver ta foi, pour blesser ton orgueil. A man may hide his true character until his pride is injured. Un homme peut garder son vrai caractère jusqu'à ce que son orgueil est endommagé et éprouvé. When the usher says stop there, lorsque les huissiers disent arrête-toi, you say stop where? Stop where? Do you know where I am? Stop that nonsense. Vous répondez de façon autoritaire. Because of that, many have stopped coming to church. À cause de cela, plusieurs ont cessé de venir à l'église. Because of that, many choose alternatives. Plusieurs ont choisi des alternatives. God's response is not for those in a hurry. La réponse de l'Éternel ne sont pas pour ceux qui ont un esprit hâtif. Then about God's response. Dis à ta voisin, la réponse de Dieu. Is not for those in a hurry. N'est pas pour ceux qui sont dans la précipitation. If you tarry, si tu portes, your toys and prayers of many years are not lost. Les difficultés de prières de longueur d'années ne sont pas perdues. You may not see the results immediately. But in due time, they will issue into beauty and glory. Vous ne pourrez pas voir les résultats de vos prières immédiatement, mais elles vont se manifester au temps opportun dans la beauté. When answers to your prayers are heard back, it is an opportunity for you to pray them all. When the situation seems to suggest that there is no hope, no future, don't give up. Keep pressing. Lorsque la situation suggère qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir, continue à avancer. Keep pressing. Continue à avancer. Verse 23. But he answered her not a word, and his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. Just imagine that. Imaginez le cas-ci. Remember, the woman must have felt humiliated. Souvenez-vous, elle s'est sentie humiliée, cette femme cananéenne. By the way, she was ignored. Par la façon, elle fut ignorée. But she did not give up. Mais she kept pressing. Mais elle n'a pas abandonné, mais alors, elle a continué à avancer. She must have felt humiliated. Elle s'est sentie humiliée. First, by the way, she was ignored by Jesus.
Then, by the way, she was humiliated by the disciples. D'abord par la façon dont elle fut humiliée par Jésus-Christ et ensuite par ses disciples. Yet she did not give up. She kept pressing. Mais alors elle n'a pas abandonné, elle a continué à avancer. How many of you here can stand such a situation? Combien parmi vous ici pourraient tenir face à cette pareille situation? These words only were enough to stop any woman that had no faith. Ces actes étaient suffisants pour stopper n'importe quel genre de femme qui n'a pas de foi. Verse 24. But he answered and said, I was not sent except to the lordship of the house of Israel. Verset 24, il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. I was not sent except to the household of Israel. Verset 24. And remember, the woman was not an Israelite. Elle n'était pas une Israélite, cette femme. Yet she did not give up. Mais alors, elle n'a pas abandonné. Verse 26. Verset 26. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. What an embarrassing statement to anyone here without faith. Quel propos embarrassant pour une personne qui n'a pas de foi. What an insulting statement to anyone here without faith. What a discouraging statement to anyone here without faith. Quel propos insultant, embarrassant, décourageant pour une personne qui n'a pas de foi. But she was not discouraged. Mais alors elle ne fut pas découragée. She kept pressing. Elle continua à avancer. People of God. Peuple de Dieu. When answers to your prayers are held back, it is in your own interest to keep pressing. It is an opportunity for you to keep going. Keep pressing. Because Jesus Christ may be taking his time to consider your request in order to test your faith. Lorsque les instruments de vos prières sont retardés, c'est une opportunité et un intérêt que vous priez davantage, vous gênez davantage, parce que Jésus-Christ pourrait prendre du temps pour éprouver votre foi. My question is, what can make one who once felt close to God now feel distant? Ma question est celle, c'est qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui fut rapproché de Dieu, s'éloigner de Dieu? Can sickness, est-ce la maladie? Poverty, la pauvreté? Failure, l'échec? Disappointment, insult? No! All this cannot stop anyone who diligently seeks God. Les injures, les déceptions, non. Toutes ces choses ne peuvent pas stopper celui qui cherche Dieu diligemment. Remember, this is not your first assembly. This is not your first church. Souvenez-vous, ce n'est pas votre première assemblée ici, néanmoins votre première église. This is not your first church. Ce n'est pas votre première église. Should we call your movement from one church to another a sign of one who diligently seeks God? Est-ce qu'on va continuer à voyager d'une église à une église sans avoir la foi pour chercher Dieu diligemment? If you are in any church without faith, you will soon leave for another one because whatever is chasing you will not stop until you act faith. Évidemment, si tu es dans une église sans la foi, tu ne dois pas t'arrêter d'aller d'une église à une église parce que ce qui te poursuit ne doit pas t'arrêter jusqu'à ce que tu exerces la foi. Rise up. Veuillez vous lever. Amen. Amen. Right now, begin to ask God to fill you with the spirit of patience. Demande à Dieu endurance. Perseverance of the saints. Demande à Dieu de rempli de l'esprit de l'endurance, la patience, la tolérance des saints. Begin to ask God to fill you now with the spirit of patience. Demande à Dieu de rempli avec l'esprit de la patience. Endurance, perseverance, forbearance. L'endurance, la patience, la persévérance. Ask God to fill you with the spirit of love. Demande à Dieu de te remplir avec l'esprit d'amour. Patience. La patience. Perseverance. La persévérance. Which are the essential characteristics of a true disciple? Qui sont les caractéristiques essentielles d'un vrai disciple? A true born again. Un vrai de nouveau sincère. What you are asking for will come. Slowly but surely. Votre supplication viendra lentement mais sûrement. Give God time.
The results are working themselves out. Donner du temps à l'Éternel, les solutions à court. Ask God to fill you with the spirit of patience. Demande à Dieu de te remplir avec l'esprit de la patience. Endurance. L'endurance. Perseverance. La persévérance. No one's hope is lost whose hope is in Christ Jesus. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. No one's hope is lost whose hope is in whose you, Lord. Hope is in Christ Jesus. And no one's hope.